naissance d'une ville et de l'écriture. Mésopotamie, les origines de notre civilisation. Ici, à 500 km de Bagdad, la capitale de l'Irak, s'étendent les ruines de Nimroud. C'était la capitale de l'Assyrie qui devint le plus grand empire de l'histoire de la Mésopotamie au 9e siècle avant Jésus-Christ. En 1989, on fit ici une découverte d'une telle importance qu'elle attira l'attention du monde entier. Par hasard, un archéologue irakien découvrit une tombe royale sous les ruines d'un ancien palais. Il s'agissait de la tombe de la princesse Yaba. On découvrit un trésor de pierres précieuses et d'or qui avait été enterré dans la tombe et qui comportait plus de 400 pièces d'un poids total de 220 kilos. L'automne dernier, nous fûmes les premiers reporters étrangers à voir cette découverte. Ce n'est qu'un des exemples des aptitudes et des richesses que la Syrie possédait. Une inscription sur la tombe déclare « Malheur à ceux qui violeront la tombe et qui voleront le trésor ». Cette coupe en or représente une scène se déroulant sur les rives du Nil. Elle témoigne de la vaste et profonde influence de la civilisation assyrienne. Ces inscriptions cunéiformes de Mésopotamie nous fournissent les clés pour comprendre aujourd'hui le contexte historique qui entourait cette tombe. Le British Museum est situé Great Russell Street, au cœur de Londres. Il a été fondé en 1753 dans le but de conserver les collections de pièces historiques et botaniques de la Grande-Bretagne. Depuis lors, grâce à la force et à la prospérité de l'Empire britannique en pleine expansion à l'époque, des vestiges nombreux et variés des civilisations humaines furent collectés dans toutes les parties du monde. On estime à plus de 10 millions les pièces possédées par le musée. Il est le premier musée au monde autant par la qualité que par la quantité de ses collections. Afin de permettre l'accès à cet héritage de l'humanité au plus grand nombre, le musée a toujours pratiqué une politique d'entrée libre pendant les 2 siècles et demi où il a été ouvert au public. Chaque année, 4 400 000 visiteurs y pénètrent, parmi lesquels 180 000 Japonais. Ici est exposé l'héritage de l'humanité en provenance de Grèce, d'Égypte, de Chine, d'Inde, de Mésopotamie, etc. Bref, en provenance des quatre coins du monde. Le Lamassu, ce grand taureau ailé à visage humain, se trouve dans la collection mésopotamienne du British Museum, qui constitue un véritable trésor de l'art assyrien. Il y a 5000 ans, la première civilisation humaine apparaissait ici sur les rives du Tigre et de l'Euphrate. C'était la civilisation mésopotamienne. Le royaume le plus prospère de cette civilisation était l'Assyrie.
l'écriture cunéiforme est la première écriture. Elle a apporté à l'humanité la plus grande des contributions. Il n'y a que 150 ans que nous pouvons la déchiffrer et 3000 ans d'histoire ont commencé alors à se révéler. Voici Persépolis, la capitale de la Perse au 5e siècle avant notre ère. Les symboles cunéiformes inventés en Mésopotamie furent longtemps utilisés par de nombreux états de cette région. Mais comment a-t-on réussi récemment à les déchiffrer ? Au XVIIe siècle, un voyageur découvrit à Persépolis ces étranges caractères et les rapporta en Europe. Au début, on crut qu'ils n'étaient qu'ornementaux. Voici Grotefend. Il fut le premier à déchiffrer l'écriture cunéiforme et à ouvrir ainsi les portes de Persépolis au monde entier. Avant tout, il montra que les symboles cunéiformes n'étaient pas décoratifs, mais qu'il s'agissait des caractères d'une écriture. Et il soutint que ces inscriptions étaient écrites en perse, en élam et en babylonien, ces langues qui étaient en usage dans l'ancienne Perse. À partir d'histoires grecques antiques, Grotefend mit en évidence le nom du roi perse Xerxès et il déchiffra ces 6 lettres. Voici le Bihistan au nord-ouest de l'Iran. Cette inscription fut découverte sur une falaise inaccessible. Il s'agit d'un hymne à la gloire de la victoire de l'ancien roi des Perses, Darius le Grand, 5 siècles avant Jésus-Christ. C'était un remarquable succès pour l'histoire du déchiffrage des symboles cunéiformes. Un peu après Grotefend, l'anglais Rawlinson déchiffra aussi le nom de Xerxès de Persépolis. Rawlinson était un officier de la Compagnie des Indes Orientales, qui travaillant en Perse, fut le premier à atteindre et à copier les inscriptions au cours d'une périlleuse expédition et finalement les déchiffra. Il étudia ce qui avait été fait avant lui et notamment les travaux de Hinks et Hopper. Il traduisit de nombreux textes, ce qui lui donna le statut de premier déchiffreur de l'écriture cunéiforme. En 1857, cette inscription assyrienne, qui est exposée au British Museum, fut utilisée pour traduire l'écriture cunéiforme. La Royal Asiatic Society organisa une compétition pour la traduction et le déchiffrage de l'écriture cunéiforme entre 4 spécialistes, parmi lesquels Rawlinson, Hinks et Hopper. Le résultat obtenu fut magnifique. Tous arrivèrent à la même conclusion. On pense aujourd'hui que cet événement marqua le début des études sur l'Assyrie. L'Assyrie, cachée derrière un voile, se révéla alors à travers le déchiffrage des caractères cunéiformes. Le British Museum abrite des éléments extrêmement importants pour l'étude de l'histoire mésopotamienne. On y trouve les 25 000 tablettes d'argile couvertes d'écriture cunéiforme de la bibliothèque construite par le roi assyrien Ashurbanipal au 7e siècle avant Jésus-Christ. L'une d'entre elles est un syllabaire. La ligne à droite était en assyrien. La signification de l'écriture cunéiforme sur la gauche est restée obscure. Des indications de prononciation se trouvent au milieu. Les inscriptions à gauche étaient au départ considérées comme des codes relatifs à un sujet religieux assyrien. Cependant, le progrès des études sur l'écriture cunéiforme posa une question importante sur l'origine de ces caractères. On se demandait si ces symboles avaient été inventés par une culture bien antérieure aux Assyriens. Une statue ciselée dans un style inconnu fut découverte par hasard au sud de la Mésopotamie en 1877. Ce fut le point de départ de la connaissance du roi Goudéa, dont la tribu inventa la première, l'écriture. Ici, nous pouvons voir les véritables symboles qui étaient utilisés dans les inscriptions assyriennes. Les Sumériens sont connus aujourd'hui pour être les inventeurs de l'écriture cunéiforme. Cette découverte et la clé pour déchiffrer ces caractères fut fournie par ce syllabaire qui est exposé au British Museum.
Dans la partie sud de la Mésopotamie, profitant des bienfaits des deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, les Sumériens créèrent leur civilisation. Elle était la première de ce genre dans l'histoire de l'humanité, et c'était 3500 ans avant Jésus-Christ. Pendant les trois millénaires qui suivirent, de nombreuses civilisations virent le jour en Mésopotamie. Au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, l'ancienne Babylone était gouvernée par Hammurabi. L'Assyrie naquit au XXe siècle avant Jésus-Christ, et au VIIe siècle avant Jésus-Christ, elle se transforma en un immense empire incluant l'Égypte. La nouvelle Babylone vainquit l'Assyrie. Le roi Nabucodonosor redonna à Babylone son ancienne gloire et fit de cette capitale la plus grande de l'Orient. C'est ainsi que la fameuse tour de Babel s'éleva sur les rives de l'Euphrate. Le British Museum a joué un rôle clé dans la compréhension des événements historiques du monde entier. Il y a environ 60 ans, les conservateurs du musée décidèrent d'envoyer quelqu'un en Mésopotamie. C'était un archéologue anglais, Sir Charles Leonard Woolley. Les fouilles et les découvertes que Woolley fit en Mésopotamie pendant la période de 1922 et 1933 révélèrent Sumer et l'expansion qu'avait prise cette civilisation. Woolley commença ses fouilles dans le site d'une ancienne ville sumérienne, Ur, que les populations locales appellent la colline d'asphalte. La première découverte fut celle d'une tour en briques appartenant à un sanctuaire construit au sommet de la ziggourate. L'expédition dirigée par Woolley était composée d'une équipe mixte du British Museum et de l'Université américaine de Pennsylvanie. La nouvelle que la tombe du roi de Ur, datant de 2600 ans avant Jésus-Christ, avait été découverte, fit le tour du monde. L'énorme quantité d'observations réunies par Woolley sur la tombe du roi de Ur est conservée au British Museum. Selon ses observations, la découverte la plus brillante qui transforma totalement l'image de la civilisation sumérienne fut faite par un homme seul. Un jour, le manche d'une lance fut découvert émergeant du sol. Quand on creusa, on découvrit le corps d'un homme portant un casque et entouré de coupes en or et de pierres précieuses. Le home en or était décoré minutieusement, même les rayures des cheveux étaient ciselées. Cette découverte fut suivie d'une autre qui comportait de magnifiques pièces d'artisanat en or. Elles étaient les premières de ce type à être révélées par le sous-sol mésopotamien. Le manche de cette dague était fait de lapis-lazuli et son étui est un ouvrage ajouré d'une grande qualité. Ces pièces prouvaient l'existence d'un commerce intensif et démontraient les hauts critères de qualité de l'artisanat sumérien. Un jour, Woolley découvrit un nombre incalculable de cadavres. L'environnement suggérait qu'il s'agissait de courtisanes et qu'elles avaient suivi dans la mort l'occupant principal de cette tombe. Ces accessoires, faits de lapis-lazuli et de rubis, étaient portés par les femmes. Il y avait là une lyre posée près des femmes. Peut-être quelqu'un en a-t-il joué, et peut-être a-t-il chanté un chant d'adieu à ce monde. Voici le plus vieux jeu du monde de table sumérien. Il est tout à fait semblable au backgammon. En s'enfonçant plus profondément, Woolley parvint à un endroit qui conduisait plus loin dans la tombe. Cet endroit était complètement rempli de corps de femmes et d'hommes. À qui était donc dédiée cette immolation et ce trésor ? Il parvint à une tombe qui avait échappé au pillage. Voici un seau cylindrique que les personnages officiels
portait constamment à cette époque en guise d'identification personnelle. Il appartenait à une reine sumérienne du nom de Shub-Ad, écrite en sumérien. Avec l'aide d'anthropologues, Wallet reconstruisit une femme sumérienne qui aurait pu vivre il y a 4600 ans, en se basant sur le squelette de la femme et sur les accessoires qu'on avait découverts dans la grande sépulture. Aujourd'hui, les pièces prélevées dans la tombe impériale de Ur sont conservées au British Museum et au musée irakien de Bagdad. De nombreuses pièces provenant de la tombe du roi de Ur, exemplaires de la civilisation sumérienne, sont conservées ici au British Museum. L'une d'entre elles s'appelle le Fanion de Ur et il s'agit d'un exemple remarquable d'artisanat daté de 2600 avant Jésus-Christ. Son usage ne nous est pas connu, mais on croit qu'il pourrait s'agir d'une caisse de résonance. Le mot Fanion désigne généralement le drapeau de forces armées. C'est pourquoi la raison pour laquelle Wallet l'appelle ainsi ne nous apparaît pas clairement. Quand il fut extrait du sol, il se brisa, mais Wallet ramassa péniblement les morceaux un à un et ils furent réunis. La découverte la plus importante provenant de la tombe impériale est un rouleau représentant l'organisation de la dynastie. Grâce à celui-ci, la structure de l'État sumérien et la manière d'y vivre furent complètement révélées. Voici le roi de Sumer et ses soldats. Une scène de guerre de l'époque est représentée. De l'autre côté de cette image guerrière, on voit une scène de banquet auquel assistent le roi et son clan. Ce pourrait être la célébration de sa victoire. Les gravures illustrent la vie sumérienne et les détails sont décrits de manière très vivante. Voici un des chefs-d'œuvre de l'art sumérien, d'un caractère hautement religieux. Il fut trouvé parmi les courtisans morts dans une partie de la tombe impériale. C'était en 2600 avant Jésus-Christ, quand la dynastie sumérienne commença à acquérir de la puissance. La découverte de beaucoup de ces pièces récompensa Wallet de ses efforts. C'était aussi l'époque que nous pourrions appeler l'aube de la civilisation de Sumer, qui prit rapidement de l'expansion. La civilisation sumérienne, la première civilisation humaine, commença dans ce marais rempli de roseaux au sud de l'Irak. Aux environs de 3500 avant Jésus-Christ, les Sumériens établirent les fondations de la civilisation mésopotamienne, après avoir surmonté les difficultés imposées par la sévérité du climat. Des gens vivent encore aujourd'hui à la manière des Sumériens, dans des huttes de roseaux et ayant la forme d'un abri semi-circulaire. Cependant, les populations vivant ici sont d'origine différente. Il y a des Arabes provenant de la péninsule arabique, mais nous pouvons constater les similitudes qui existent entre leur façon de vivre et celle des Sumériens, notamment dans leur habitat et dans leur façon de construire les bateaux. Ces Sumériens qu'on suppose avoir créé la civilisation, comment vivaient-ils ? Un réseau de canaux unissait le Tigre et l'Euphrate à la Mésopotamie. Des conditions naturelles difficiles forcèrent les Sumériens à créer leur propre système d'irrigation pour la première fois dans l'histoire de l'homme. Leur méthode d'agriculture par irrigation procura aux Sumériens une augmentation remarquable de leur production de nourriture.
Selon leurs évaluations, la récolte du blé, l'aliment principal des Sumériens, produisait entre 70 et 80 fois la quantité de semences. Même en Europe, où la révolution de l'agriculture fut accomplie au XVIIIe siècle, la moisson ne fournissait que 10 fois la quantité de semences. Le secret de leur succès provient de ce qu'ils inventèrent, une méthode de semaille en sillon, par laquelle un bon rendement pouvait être obtenu d'une petite quantité de semences. L'agriculture européenne dut attendre le XVIIIe siècle pour réinventer une méthode semblable. Le blé était donc l'aliment principal à Sumer. Il servait à préparer du pain et de la bouillie. Par hasard, les Sumériens découvrirent une méthode de brassage pour en tirer une boisson. Celle-ci a été transmise de génération en génération jusqu'à nos jours. On croit que l'invention du brassage de la bière remonte au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Plus de 30 types de bières furent recensés et ils devinrent essentiels dans leur mode de vie. Grâce à l'augmentation de production et aux réserves de nourriture, les habitants de Sumer purent jouir d'une bonne alimentation. Depuis lors, et pendant 1500 ans, de Eridu à Uruk, la dynastie de Ur fut prospère jusqu'à la troisième génération en 2000 avant Jésus-Christ. Voici une des villes de Sumer, Uruk. Suivant l'augmentation de production de nourriture, le peuple commença à se rassembler autour de la ziggourat, où les dieux familiers, parmi lesquels le dieu de l'agriculture, étaient adorés. C'était en 3000 avant Jésus-Christ. C'était la première métropole. Si nos ancêtres ont commencé à organiser la vie des villes pour la première fois, on le doit aux Sumériens. Le système de plantation de roseaux dans la ziggourat a survécu. Le temple devint le centre de la vie publique. À cause du développement des systèmes d'irrigation et de l'agriculture, le besoin d'une administration se fit sentir, avec pour résultat que des personnes ayant de l'autorité conquirent le pouvoir. Pour la première fois, un lugal, ce qui signifiait « grand homme » en sumérien, devint le chef de l'État dans ce pays. Les Sumériens étaient aussi les inventeurs du concept architectural de l'arc. Parallèlement, ils faisaient le premier pas de ce qui allait devenir leur contribution la plus importante dans l'histoire de l'humanité. Les Sumériens inventèrent des symboles d'écriture. Ils en avaient besoin pour enregistrer leurs activités économiques. Dans les temples, le prélèvement d'impôts et le commerce de céréales commença. Ces pictogrammes sumériens datant d'environ 3100 avant Jésus-Christ sont les plus vieux caractères connus et ils furent découverts en 1928 par une équipe de recherche allemande. Comment les Sumériens commencèrent-ils à les créer? La première étape de cette création fut l'inscription de chiffres et de dessins gravés sur une surface d'argile molle. Then the one is written with a single horizontal stroke. The ten is written with a small circular stroke. 60 is written with a large horizontal stroke. 600 is written with a large horizontal stroke and a 10 inserted in it. And 3600 is written with a large circle. Voici les pictogrammes. Les Sumériens utilisaient un système numérique qui combinait deux systèmes, un en base 10, l'autre en base 60. Les caractères cunéiformes commencèrent par des pictogrammes rudimentaires qui exprimaient des symboles et se développèrent sous forme de signes plus organisés. Ce symbole représente une vache. Pendant 3000 ans, l'écriture cunéiforme changea ses caractères, sa prononciation et même ses significations en fonction des peuples qui l'utilisaient. Ce processus est semblable à celui qui existe dans l'utilisation de caractères chinois, soit par des Chinois ou des Japonais, aujourd'hui. Ce symbole représente la bière, la boisson favorite des Sumériens. Les points représentent la mousse sur la bière. Nous constatons que des changements sont intervenus entre les caractères sumériens et ceux d'Assyrie.
la combinaison des pictogrammes tête et pain forme le verbe manger. Les caractères cunéiformes étaient gravés avec un angle de 90 degrés pour les rendre plus faciles à écrire. Ils furent ensuite finalisés aux environs de 2500 avant Jésus-Christ. Les caractères cunéiformes sont tracés sur une tablette d'argile humide à l'aide d'un stylet en roseau. Voici la reproduction d'une lettre du 18e siècle avant Jésus-Christ. Viens à Babylone quand tu liras cette lettre. Les Sumériens permirent à l'humanité de grandement progresser en créant des caractères qui rendirent l'être humain capable de conserver les connaissances. Il y avait une ville qui parvint à son apogée et devint pendant environ un siècle le centre de la politique sumérienne à partir de 2100 avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'exhumation des sites enfouis nous dessine de vagues contours quand on les regarde à partir d'un satellite. À quoi cela ressemblait-il il y a 4000 ans? Ur parvint à l'apogée de son pouvoir comme capitale de l'État pendant la troisième dynastie. En suivant les notes que Waller a réunies et conservées au British Museum, nous avons essayé de reconstruire Ur telle qu'elle était il y a 4000 ans en utilisant l'image de synthèse par ordinateur et en le faisant de la manière la plus détaillée possible. Voilà la ville où Wolle exhuma la tombe impériale de Ur. Wolle la décrit ainsi. Ur occupait une surface irrégulière de forme ovale de 1030 mètres de long et de 690 mètres de large. La circonférence en était murée et le mur extérieur était entouré par l'Euphrate et par un réseau de canaux. À Ur, il y avait le Téménos, qui était un espace sacré dans le centre de la ville. Dans le Téménos, la ziggourate se dressait, imposante. Elle y avait été construite par le roi Ur-Nammu en 2100 avant Jésus-Christ. Le fondateur de la troisième dynastie Ur, Ur-Nammu, conquit chaque état de Sumer et il établit les bases d'un royaume fondé sur le principe d'un système politique bureaucratique centralisé. Ensuite, il mena à bien la construction de bâtiments imposants comme les temples et dans chaque lieu, il érigea sa propre statue de gouvernant. Dans un coin du Téménos, Wolle découvrit plusieurs centaines de tablettes d'argile qui relevaient du bureau d'administration du commerce. Voici le registre des réserves de nourriture des tisserands du temple. Deux équipes étaient composées de 95 femmes. Sont consignés les noms et les numéros des superviseurs, des contremaîtres, des apprentis, ainsi que les allocations en huile et en poisson qu'on attribuait aux travailleurs. C'est un exemple parfait d'organisation. Le Téménos était le centre nerveux de Ur. Il faisait fonction de temple, de palais et de bureau. Il contenait également des filatures et des entrepôts. À Sumer, les critères d'administration gouvernementaux et le système de sécurité sociale étaient bien plus développés que nous pourrions l'imaginer. Les registres nous rapportent qu'à Ur, ceux qui étaient malades ou pauvres, les veuves et plus spécialement les orphelins, tous recevaient un supplément de céréales, de viande et de vêtements. «
cette époque, un dieu en tant que propriétaire de la terre recevait un dixième de la récolte et des reçus étaient délivrés pour ses offrandes faites au temple. Le beurre, l'huile, tous les détails étaient enregistrés. Les entrées étaient faites en tenant compte des personnes, des dates, des mois et étaient valables pendant un an. La société sumérienne était une société contractuelle. Voici le contrat concernant des transactions pour une maison. Le contrat était conservé dans une enveloppe d'argile et son contenu était également recopié à la surface de l'enveloppe. Elle était ensuite scellée par un contrôleur à l'aide d'un sceau cylindrique. Les rues de Our étaient étroites et n'étaient pas pavées. Les maisons étaient construites en briques et elles étaient achevées à l'aide de plâtre blanc. Ces maisons ne possédaient pas habituellement de fenêtres au rez-de-chaussée qui puissent donner sur la rue. Il y avait un jardin intérieur et chaque chambre avait une fenêtre qui donnait sur celui-ci. La maison avait aussi un système d'égouts individuel. Une maison appartenant à la classe moyenne était spacieuse et comprenait 10 chambres ou plus. Un jour, Wallet découvrit dans une de ces maisons environ un millier de tablettes d'argile. C'étaient des livres d'école écrits en caractères cunéiformes. Le propriétaire de la maison était un professeur d'écriture pour les enfants. Il s'agissait d'un cours de calligraphie. C'était la première école de l'histoire de l'humanité à Sumer, il y a 5000 ans. On y donnait des leçons pour les scribes et les secrétaires. À cette époque, l'écriture était connue du petit peuple et des professeurs privés enseignaient l'écriture dans leur propre maison. Voici un exemple d'écriture dessiné par le professeur. À la surface, le professeur écrivait un exemple et l'élève le recopiait sur le verso et apprenait ses caractères et son contenu par cœur. La littérature, la science, les mathématiques, l'histoire, etc. Du petit matin au crépuscule, un difficile enseignement quotidien était délivré. Au XXe siècle avant Jésus-Christ, la population intramuros de Our était de 34 000 habitants, comme l'a soutenu Wallet à partir de l'examen de ses tombes. De plus, la population vivant dans les villes environnantes se montait à plus de 250 000 âmes. Une écriture élaborée et une poésie épique furent créées. La vie à Our était loin de ce que nous imaginons être possible il y a 4000 ans. Des systèmes administratifs civilisés hautement développés et des activités économiques qui étaient en vigueur sous le contrôle des plus vieilles lois du monde, le code du roi Ur-Nammu. La troisième dynastie Our était au sommet de sa gloire. En 2004 avant Jésus-Christ, les Sumériens furent défaits par une invasion de l'Elam. Cependant, l'influence de l'écriture cunéiforme que les Sumériens avaient inventée se répandit dans les 15 langues couvrant tout le territoire, allant de la Turquie au nord jusqu'aux îles du Golfe Persique. La langue sumérienne allait survivre pendant les 2000 années suivantes en tant que langue des poètes et des érudits, longtemps après que le pays eut disparu, une situation comparable à celle du latin. Une nation allait acquérir de la puissance dans le nord de la Mésopotamie. C'était une colonie sumérienne et un millénaire après la chute de Sumer, elle allait atteindre le sommet de la prospérité. L'Assyrie créa sa propre culture basée sur de fortes influences sumériennes en matière de religion, de littérature et de langue. Voici où était Nimrud, qui fut créé au IXe siècle par Ashurnasirpal II. Depuis le XIXe siècle, des travaux de fouilles se sont déroulés ici pendant 150 ans, avec comme résultat une découverte progressive de l'histoire de la Mésopotamie. Un des pionniers de l'archéologie mésopotamienne fut l'anglais Sir Austin Henry Layard. Les fouilles mésopotamiennes de Layard commencèrent en 1845, ici, dans ce site de Nemrud.
L'héritage de la Mésopotamie que Layard découvrit fit du British Museum le refuge des trésors de l'art assyrien. Ce fut le roi Assur-Nassir-Pal qui fonda l'empire assyrien après avoir vaincu la Mésopotamie au 9e siècle avant Jésus-Christ. Ce bas-relief ornait le palais du roi Assur-Nassir-Pal à Nemrud. Elle était la première ville dans l'histoire de l'humanité à être décorée de bas-reliefs comme ceci. Elle était la capitale du roi Assur-Nassir-Pal II, qui fonda la ville sur les rives du Tigre en créant un réseau de canaux au 9e siècle avant Jésus-Christ. Voici une représentation de Nemrud, telle que Layard l'imaginait. Ainsi commença l'Empire assyrien, qui fut le premier empire de l'histoire et qui conquit des cités aussi loin qu'en Syrie ou en Phénicie. Ce bas-relief de scène de bataille du roi Assur-Nassir-Pal II fut exhumé par Layard. Ce roi était remarquable même parmi les rois assyriens connus pour leurs atrocités. Ces invincibles soldats avaient des armes en fer. Ils avaient aussi de nouveaux armements qui leur permettaient d'attaquer les forteresses. Si le roi entendait parler d'une révolte, il envoyait des troupes, même en plein été, et les faisait marcher plusieurs centaines de kilomètres pour l'écraser immédiatement. Ces troupes étaient cruelles et massacraient hommes, femmes et même enfants sans discernement. La Syrie étendit ses territoires et écrasa toute révolte qui la menaçait, adoptant une politique de contrôle de l'opposant par la peur. En 700 avant Jésus-Christ, le roi Sennachérib transféra la capitale à Ninive. À l'époque de son petit-fils, Assurbanipal, la Syrie jouissait d'un pouvoir à son apogée dans sa période finale. Ninive devint le centre de l'Orient pour les arts plastiques, tels que la sculpture et l'architecture. Cette œuvre décrivant la chasse d'un lion était accrochée dans le palais d'Assurbanipal. Elle fut découverte dans le site du palais de Ninive et est considérée comme le fleuron de la collection d'art assyrien du British Museum. Cette œuvre est d'un style réaliste. Soit par ordre du roi ou par la volonté de l'artiste, la queue a été raccourcie par une correction qu'on peut encore examiner. Aucun lion n'est semblable à un autre dans cette œuvre. Ils ont tous des caractéristiques propres. Pour chaque lion, il y a une représentation différente de ses mouvements et des perspectives changeantes. L'œuvre, dans son entier, montre que de nombreux artistes participèrent à sa réalisation pour créer l'aspect général ou le rendu des détails, et ils étaient tous d'une grande qualité artistique. Ces caractères cunéiformes racontent l'histoire de l'Empire assyrien. Plus de 20 000 tablettes d'argile, couvertes d'écriture, furent exhumées d'un coin de la colline de Kuyunjik sur le site de Ninive. C'est ici que se dressait la bibliothèque du roi Assurbanipal.
Une des collections les plus importantes du British Museum est celle des tablettes d'argile d'écriture cunéiforme mésopotamienne. De nos jours, on estime à plus de 1,5 million le nombre de tablettes d'argile ayant été extraites du sol. Le British Museum en possède environ le quart, soit 130 000. Il s'agit vraiment du plus grand trésor archéologique cunéiforme du monde. Parmi celles-ci, la collection qui a le plus de valeur est celle des 25 000 tablettes du roi Ashurbanipal. Voici George Smith, un érudit du British Museum qui est relativement peu connu. En 1872, Smith découvrit une des tablettes du roi Ashurbanipal qui permit de réécrire une page de l'histoire du monde. Le British Museum fut la scène où il exposa publiquement ses découvertes. Il s'agissait d'une vieille histoire babylonienne à propos de deux melons gravés sur une tablette. Il découvrit que cette histoire faisait référence à l'Ancien Testament en relation avec l'Arche de Noé et le déluge. Cette découverte eut un impact qui conduisit au déchiffrage des caractères sumériens. Voici Gilgamesh, le légendaire héros sumérien. C'était un personnage historique réel qui fut roi de Uruk. Gilgamesh était devenu légendaire de son vivant et il apparaît dans la mythologie sumérienne. Il fut aussi représenté sur des sceaux cylindriques. Voici l'origine de l'épopée de Gilgamesh, qui est la plus ancienne de ce genre au monde. Ce que Smith avait découvert n'était qu'une petite partie de cette épopée concernant l'histoire du déluge. Elle provenait bien de la mythologie sumérienne. La tempête était terrible. Des pluies torrentielles semblaient nous attaquer. Pendant 7 jours et 7 nuits, le déluge recouvrit toute la terre et le bateau était frappé par d'énormes vagues. Voici ce qu'écrit la légende sumérienne. Dans l'Ancien Testament, Dieu était en colère contre la méchanceté des hommes et il fit monter les eaux. Noé navigua jusqu'à Arara sur l'arche. Il fut le seul à survivre et l'extinction de l'humanité fut évitée. Ce mythe sumérien a voyagé de Babylone à l'Ancien Testament. À peu près à la même époque que la chute de Sumer, l'Assyrie acquit une puissance que, de manière répétée, elle perdit et retrouva jusqu'au moment où elle disparut de l'histoire. Ninive périclita et partagea le destin des peuples qu'elle avait conquis et mis à feu et à sang. Dans ce bas-relief du British Museum, on peut voir la trace noire du feu. La tête du roi de Elam était pendue dans le jardin. Le roi Ashurbanipal et sa reine célébraient leur victoire. Mais leurs visages furent aussi défigurés par leurs ennemis lors de la chute de Ninive. En 612 avant Jésus-Christ, l'Assyrie fut défaite par les troupes unies d'Assyrie moyenne et de Nouvelle-Assyrie. Seulement 15 ans s'étaient écoulés depuis la mort d'Ashurbanipal, qui se vantait de son pouvoir à l'apogée de la dynastie. La capitale fut réduite en cendres et l'empire assyrien disparut de l'histoire sans laisser de traces. Au British Museum, on peut voir un exemple d'artisanat mésopotamien différent des bas-reliefs assyriens. Cette belle pièce d'ivoire fut découverte dans un puits de Nemrud par une équipe anglaise de recherche il y a environ 30 ans. C'était 2500 ans après la chute de l'Assyrie.
Les caractères cunéiformes que les Sumériens avaient inventés disparurent complètement de l'histoire de l'humanité après 2000 ans de civilisation mésopotamienne. Babylone se trouvait ici. C'était la capitale de la Nouvelle Babylone qui atteint la prospérité comme centre de l'Orient au VIe siècle avant Jésus-Christ. Le roi Nabucodonosor succéda à la civilisation sumérienne. De nombreux Grecs vinrent ici et des études sur le langage sumérien furent menées à bien. Voici les dernières tablettes d'argile en caractère cunéiforme exhumées à Babylone. Elles expliquent l'astronomie sumérienne et furent écrites en 61 avant Jésus-Christ. Il y a 130 000 tablettes cunéiformes au British Museum. Pendant 150 ans, elles ont joué un rôle important pour fournir des indices permettant d'élucider la civilisation mésopotamienne. Cependant, ce qui a été déchiffré ne représente qu'une faible partie. À cette vitesse, il faudra encore 200 ans avant que le déchiffrage complet soit achevé. L'invention de l'écriture cunéiforme. Grâce à elle, la civilisation mésopotamienne a pu se développer. Les Sumériens, qui avaient établi ces fondements de toute civilisation, nous ont quittés depuis longtemps. Mais ils nous ont laissé un héritage qui brille depuis plus de 4000 ans sous une forme développée dans la littérature, la mathématique, le droit, l'architecture et les systèmes d'éducation.